Bienvenue les scorpions dans votre guidance du mois de novembre 2018. Les scorpions, on commence avec vos focus. Le premier, c'est la justice. Alors en général, quand on tire cette carte, c'est que vous attendez une décision de justice. Il peut aussi être question de faire preuve de justesse dans vos comportements. Si vous avez une décision à prendre vis-à-vis de quelqu'un, on vous invite à être juste. Donc voilà, votre focus, la justice, quelque chose d'équilibré. Deuxième focus, changement de carrière. Alors, pour certains d'entre vous, cette carte nous parle d'un changement de carrière radical. Vous changez de travail, vous vous mettez à votre compte, voilà, ce genre de choses. Pour d'autres personnes, il s'agit d'un ajustement dans votre carrière actuelle. Peut-être convoitez-vous un autre poste dans la même entreprise dans laquelle vous êtes. Peut-être, et on vous invite donc à vous donner les moyens de changer de poste. Peut-être voulez-vous changer votre stratégie en tant qu'indépendant, travailleur indépendant, parce que vous êtes déjà à votre compte. Implémenter de nouvelles choses, créer de nouveaux produits, de nouveaux services. Voilà. Donc, changement de carrière, ça nous parle de tout ça. D'ailleurs, juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on nous dit, faites ce que vous aimez, laissez-vous guider par vos passions. On nous parle ici de créativité, de croissance personnelle à travers à la création de quelque chose de nouveau, mais la création avec les autres, avec, de manière coopérative, en coopération avec d'autres personnes qui ont envie de créer les mêmes choses que vous, dans le même sens que vous. D'ailleurs, ici encore, juste en dessous, on nous dit que de nouvelles opportunités vous seront offertes. Et que si vous ne les avez pas vues jusqu'à présent, aujourd'hui, vous allez les voir. En tout cas, on vous invite à ouvrir les yeux, à regarder autour de vous les opportunités. On nous dit qu'il y a des gens autour de vous qui désirent vous aider. Donc, travaillez avec les autres. Pensez dans tout ce que vous allez créer, là, pour ce mois de novembre. Pensez à travailler avec d'autres personnes, à vous réunir avec d'autres et créer ensemble. Troisième focus pour vous, c'est parler à vos anges. Alors, quand vous tirez cette carte, ça veut dire que vous êtes dans le doute par rapport à une situation. Vous êtes dans la tristesse, il y a une sorte de désarroi qui vous submerge régulièrement. Et ce mois de novembre, le conseil pour vous, c'est confier votre désarroi, vos doutes, votre peine à vos guides. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par ce peut-être une personne qui est décédée dans votre entourage, qui est là pour vous, qui reste avec vous et qui vous soutient, même si vous n'en avez pas conscience ou que vous en avez confiance. Ou alors ce sont d'autres guides, mais sachez que vous pouvez leur parler, peu importe qui ils sont. Vous pouvez leur parler et leur demander de l'aide. Et même si vous ne savez pas à qui le faire, à leur demander comme ça, vous pouvez très bien vous créer un ami imaginaire, hein, y a rien de mal à ça. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un là, dans cette pièce maintenant, pendant que vous écoutez cette vidéo, qui est là. Donc parlez-lui, écoutez. Je suis sûre que vous allez entendre des réponses. Et ce n'est pas que vous devenez fou, hein. Ce n'est pas de la folie. Si vous entendez des réponses, alors écrivez-les si vous voulez. Ou alors continuez la conversation avec cette personne. Et ça va vraiment vous aider. Sachez que vous n'êtes pas seul, même quand vous avez l'impression de l'être totalement. En parlant de ne pas être seul. Bon, on a vu la collaboration. Mais ici, on nous parle de quelque chose
d'un peu plus romantique. Certaines personnes, il s'agit de la rencontre de quelqu'un qui va faire battre notre cœur un peu plus fort que d'habitude. Il s'agit aussi, pas seulement d'amour, là, mais enfin, de relations romantiques, mais il s'agit aussi de projets, de nouveaux projets qui vous font vraiment vibrer. Vous avez déjà mis en place des projets qui vous font autant vibrer que comme si vous étiez dans une nouvelle relation amoureuse, hein? Vous savez ce que ça fait quand vous vous sentez vraiment flotter, vous sentez que tout est simple parce que vous êtes guidé par la créativité, voilà. Donc on parle de ça ici. Et je pense que c'est plus ça pour la plupart d'entre vous parce que par rapport au reste des cartes. D'ailleurs, en parlant de flotter, voilà, on nous parle de quelque chose de beaucoup plus paisible, la tempête qui passe derrière vous, vous laissez la tempête derrière vous et vous allez vers un horizon beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. La destination que vous voulez atteindre, vous la voyez clairement et vous savez que vous y êtes bientôt. Le stress dans votre vie, vous allez réussir à le dissiper petit à petit. Et du coup, la joie, des moments beaucoup plus gais vont arriver, vont entrer dans votre vie très rapidement. On vous propose ici de peut-être partir en voyage sur l'eau, que ce soit en bateau ou alors prendre l'avion au-dessus de l'eau, d'aller dans un autre pays. Voilà, bon, ça peut concerner quelques-uns d'entre vous. Dites-moi si ça vous concerne, surtout, ça m'intéresse. par rapport... Alors, attendez, parce que... oui, ici... Effectivement, ça va concerner quelques personnes, le fait de partir en voyage, parce qu'ici, on nous dit, prenez un break, permettez-vous de prendre un break parce que vous avez accompli beaucoup jusqu'à présent et ça va vous permettre déjà de vous récompenser, mais aussi de prendre du recul par rapport justement à ce que vous avez réussi à mettre en place. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des changements soudains, donc il va falloir... être logique, ne pas agir de manière impulsive, mais rapidement. Peut-être que c'est lié à ce changement de carrière. Vous avez besoin de mettre en place, implémenter les changements nécessaires de manière rapide pour pas que les opportunités vous passent sous le nez. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Et puis... partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un coaching angélique personnalisé, alors mes informations sont en bas de la vidéo pour me contacter. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye!
Thank you.